dans le cœur de l'inside. Dans l'inside de l'inside, on peut pas faire plus inside. Bon, on démarre la vidéo du jour, nouveau concept. Donc d'abord, je vous explique World Wide Sneakers. T'aimes bien le nom ou pas? Ouais, le nom il sent bien, t'as capté. On dirait un international là. Ah, c'est un peu le concept. Bon, le but du concept il est simple. Avec Nick, de temps en temps, on va faire le tour du monde ou on va faire le tour de la France. Et tour on va du monde, moi j'aime bien. Oh. Tour du monde, t'aimes bien? Ouais, moi ça me parle ça. C'est carré. On va découvrir tous les magasins possibles de sneakers ou événements de sneakers qui peuvent exister. Et là aujourd'hui, on est à la Vallée Village pour l'événement, le sneakers événement de vente éphémère. Donc, sneakers expérience. Donc on va aller regarder ce qui se passe, on va essayer de découvrir. Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver? Peut-être une paire. Ah, il y a des paires intéressantes, vente éphémère du paire. On va voir peut-être qu'il y a des choses intéressantes hormis les paires à vendre. Bref, je sais pas ce qu'on va y trouver, donc on va la regarder ensemble. On y va? Vas-y, c'est parti. C'est parti. Allez, donc, tu prends un truc bizarre avec la paire là, t'arrives. Oh non, on va laisser la faire, voilà. Alors ça c'est la paire que j'aurais aimé avoir et que j'ai pas eu là. Ça c'est toute la haine qui est dans cette case. Baisse la cam au cas où. Vraiment trop le sens, toujours avec le jeu. Ah, franchement, normalement, t'as le passe droit Melvin's Room, ça doit passer. Hein. Non, oh. En plus, on leur a dit. Moi, je suis Melvin's Room, ils ont dit. Hein. Ok. Loubar. Ah, il revient, attention. On tient que les vents. Bon, il semblerait qu'on ait été accepté. C'est même Vince passe. Même Vince Rome passe. Donc on va commencer tout de suite. Hein. Pour l'instant, on a le début avec une galerie d'art un peu refaite avec beaucoup de sneakers sur les œuvres. Là par exemple, on a une dame, je crois que c'est la dame de la laitière, tu vois, qui tient une paire de mocha. Vraiment sympathique hein, pour le coup. Là on a sûrement une œuvre qui nous explique qu'effectivement Travis Scott n'est pas un designer. Ce avec quoi je suis 100% d'accord. Non, parce qu'il faut pas déconner. Non, mais inverser un switch, c'est designer. Ah, c'est une idée. Faut respecter l'art. Pour tous ceux qui m'ont regardé, dites-moi si sincèrement inverser un switch. Ça, mec. Je mettrai le sondage, une barre de sondage, vous me direz ce que vous en pensez. On a des belles œuvres d'art quand même. Hein. Louis XVI ici, avec une paire de Dior. J'étais pas au courant. Mais j'aime beaucoup. Pour l'histoire, franchement, ça peut apprendre des choses tous les jours. Après, c'était la royauté. Bref, quoi, ouais. Ah ouais. C'était la royauté, ils envoyaient. Hein. C'était des mecs hype déjà. Ouais. Je sais pas comment ils faisaient leur raffle, mais. Ouais, la raffle, t'inquiète, hein. C'était en calèche. Hein. Ils trouvent les flots, t'as. Ils sont du Migos. Offset. Mais j'avais pas vu. Les œuvres qui sont là et qui sont derrière nous aussi, c'est des œuvres qui peuvent être achetées. Ah ouais? Ah ouais? Regarde. Ça ne savais pas. Ah ouais, vendu des fois. C'est vrai? C'est nous, il faut voir à quelle époque. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est combien ça coûte. Je pense que celle-là, elle doit coûter des bonbons. Elle doit coûter bonbons. Franchement, en vrai, moi j'en veux bien une. Hein. T'arrives pour moi. Ça doit coûter un bon. Ouais, c'est pas pour maintenant, c'est ça? 400. 400 je pense. Gentiment 400. Ah ouais. C'est le pronostic. Hein? Je pense au pronostic. On demande à la fin? Vas-y. Pour celle-là? Allez. Vas-y. Là on va avoir tout le stuff habituel qu'on va trouver pour nettoyer sa paire. Le crêpe, vous connaissez déjà, la brosse. J'ai jamais vu de serviette, mais ça peut être utile, j'imagine. Ouais. Je connais pas les Idols d'édition de 94. Tu penses qu'ils avaient des crêpes? Et là on a un photomaton. Excellent. Moi, je pense que tu dois avoir une photo s'impose. Une photo s'impose, on l'a fait à la fin, on fait la photo. Vas-y. Après, si on fait une photo dans leur photo maton avec ton appareil, je pense qu'ils vont nous casser la gueule. Moi, je pense qu'ils vont juste lâcher l'hashtag. C'est vrai aussi, potentiellement. Ouais, c'est vrai. Pour rentrer dans le vif de l'explication, pour l'instant, ils sont une belle galerie d'art. Ou en tout cas, un beau début de galerie d'art. Avec des paires plus ou moins hype qu'on a eu l'année dernière. Donc moi j'avoue, j'apprécie beaucoup la chimère qu'on a là par exemple.
ça fait plaisir. J'imagine qu'on va avoir le gros du gros qui doit être en vente de l'autre côté, donc on va aller voir ça maintenant. Je me sens observé. Que dire la vie, t'as choisi de la vie de l'artiste. Que dire sur la MCR? On parle quand même d'une paire qui à la base c'est une mid, était sortie, elle avait pas coûté grand chose et qui d'un coup a explosé. On sait pas pourquoi, mais en tout cas, très grosse paire. Petit côté africain, tu connais. On remercie Youssouf pour l'accessoire qu'il a mis sur la MCR, c'est très très grave. D'ailleurs, en passant, Air Jordan 2, Maison Château Rouge qui va sortir bientôt. Restez connectés, ça arrive. On a des cousses de mer ici. Ah ouais? La Trévis ça a fait, mais pas la Dior. Petite news qui est arrivée en dernière minute. On a eu la chance d'avoir le directeur retail d'OP 2.0 présent avec nous lors de notre passage. Donc on a souhaité l'interviewer pour vous, donc pour tous ceux qui ne connaissent pas OP 2.0 et pour ceux qui veulent apprendre un petit peu plus ce qui se passe peut-être ou savoir ce qu'ils font. Donc je présente rapidement et va se présenter juste après. Donc Thibaut, directeur retail de OP 2.0. Si tu as d'autres choses à nous dire pour qu'on apprenne un peu plus à connaître la marque et qu'on apprenne un peu plus à connaître aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors comme il a dit, je suis directeur retail, donc moi je m'occupe en fait de toutes les boutiques qu'on a sur Paris. On a ouvert là récemment à la Vallée Village, donc sur un pop-up éphémère de 3 semaines. Succès, on a pas mal de monde. On a essayé de marier la sneakers avec l'art. C'est pour ça qu'on a quelques tableaux dans la vidéo de présentation. Et non, ça marche très très bien. On a essentiellement aussi des boutiques au sein des Galeries Lafayette. Donc on est présent à Haussmann Homme, Haussmann Femme et aux Champs-Élysées. Et on a notre boutique, là où tu nous as connus, à Châtelet, 23 rue Berger. Vous avez parlé de l'art. Par rapport à ça, je voulais vraiment vous poser une question qu'on s'est nous deux posé d'ailleurs. Ouais. Comment ça vous est venu cette idée de mélanger la sneakers et l'art? Écoute, on voulait faire quelque chose d'innovant. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Bon, les tableaux, on peut les retravailler. En plus, il n'y a pas de droit d'auteur, hein. Malheureusement. Voilà, Léonard de Vinci, il nous a quitté il y a un bout de temps. Mais voilà, on a essayé de faire quelque chose d'assez original. Et ça plaît aux gens. On voulait aussi attirer une autre clientèle. Puis bon, la sneaker, c'est quand même essentiellement réservé à une population qui est assez jeune. Là, on a pas mal d'adultes qui viennent, qui sont intrigués par les tableaux. Donc non, c'est... Alors, on voulait créer une expérience unique. Et justement, en termes d'expérience unique, vous l'avez créée aujourd'hui. Vous la ressentez comment? Parce que vous avez réussi à quand même avoir tout un univers donc, lié autour de la sneakers, mais comme vous l'avez dit, avec de l'art mélangé. Je ne vais pas vous demander vos objectifs, bien sûr, mais comment vous l'avez ressenti avec ces 3 semaines? Nous, de base, on était là pour vendre des sneakers. On les a vendus, on en vend toujours, on a de la demande et c'est principal. On ne s'attendait pas à vendre des tableaux. Là, les gens étaient vraiment intéressés pour le coup sur ce type d'objet. Et franchement, non, ça nous a plu. C'était une expérience supplémentaire et je pense qu'on va se mettre à vendre des tableaux. Alors, c'était ma question justement qui allait suivre.
Est-ce que maintenant, bah, vous alliez peut-être vous diriger vers de la vente, en plus peut-être de la vente additionnelle pour vous, ouais, mais de la vente entre guillemets d'accessoires avec des tableaux d'art? Parce que je pense que aujourd'hui, ce qui gêne un petit peu les gens de la sneakers, que ce soit les sneakers addicts ou les sneakers, les gens qui sont en sneakers amateurs, je sais pas si ça se dit, mais ça va être de pouvoir décorer sa maison, sa chambre, sa maison. Ouais, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Là, vous me parlez de tableaux d'art, est-ce que vous avez d'autres idées? Alors, en termes de vente additionnelle, bon, on a les produits crêpes parce qu'on est en collaboration avec eux, avec Crêpes Protect. Mais là, je pense que pour le coup, on va lancer une bonne production de tableaux parce qu'on avait énormément de demandes. On n'a pas pu malheureusement suivre parce que ce n'était pas prévu. Mais je pense qu'on va lancer, quelque chose d'autre là, prochainement. Là. Peut-être commercialiser nos pubs aussi parce qu'il y en a pas mal qui les aiment. Donc, pour le moment, alors, on n'a pas encore réfléchi à ce sujet, mais on peut oublier qu'on vend des sneakers de base. Hein. Donc on ne faut pas trop s'éparpiller non plus. Okay. Et on reste spécialiste dans la sneakers, pas dans l'art. C'est vraiment juste du plus pour répondre à une demande. Parce que on a eu concernant les décos d'intérieur, ça plaisait notamment. Ok, on super. De répondre au maximum aux besoins des clients. Parfait. Bah, en parlant de répondre aux besoins des clients, moi ma question qui va suivre, c'est quand même, est-ce que vous pouvez rappeler à tous ceux qui ne vous connaissent pas, parce que je pense qu'il y a quand même une petite catégorie de personnes qui ne vous connaissent pas et qui vont vous connaître, voilà, où est-ce qu'on peut vous trouver? Et bah, au-delà de la vente de sneakers, peut-être ce que vous allez vraiment, s'il y a peut-être quelque chose que vous avez prévu ou pas dans l'avenir ou autre. Alors, la boutique mère, c'est 23 rue Berger, d'accord. Bon, on a une petite surprise sur ce lieu de vente, mais sinon vous pouvez nous trouver au sein des Galeries Lafayette. On va également s'étendre un peu plus dans le sud. Donc okay. Pour ceux qui veulent nous voir et acheter des paires de sneakers en Côte d'Azur, on sera sûrement positionné là-bas prochainement. Et éventuellement à la Vallée Village. On va faire. Super, donc là, je sais pas pour ceux qui ont bien entendu, mais on a quand même une petite exclue. Il y a une surprise qui devrait arriver prochainement. Ah, j'en dis pas plus. Aujourd'hui, on a eu droit à beaucoup de choses. On a eu droit à, je vais le dire dans mes termes, du lourd. J'espère qu'on va poursuivre comme ça. Donc on va attendre impatiemment ce qui va suivre. Moi, ma dernière question, plutôt vraiment pour moi, parce que ça a piqué ma curiosité. Est-ce qu'on va vous retrouver dans d'autres events? Ok, peut-être. On espère. Ok, ça marche. Bah écoutez, moi j'en ai fini pour la petite interview. Merci de vous d'avoir pu dégager du temps pour vous interroger. C'est vraiment cool. Encore une fois, très bon event. On dégage vraiment que des bons ressentis. Et je dis pas ça parce que vous êtes en face de moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je vous remercie et écoutez, je vous souhaite à la prochaine. J'espère vous revoir très bientôt. Et éventuellement avec le gérant. Okay. Éventuellement avec le gérant. D'accord, à l'avenir. Merci à vous en tout cas d'avoir été présent. Merci encore. Bref, on en a fini aujourd'hui avec le petit event de vente éphémère avec la Vallée Village. On espère que ça vous aura plu. Nous, on a bien kiffé pour le coup. On a adoré et on espère qu'on va en faire d'autres avec le nouveau concept qu'on a. Bref, sur ce, portez-vous bien tous. Cœur sur vous. Bisous. Ciao.